Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me regardez mes VIH. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Nati. Donc on va regarder tout de suite. Guidance générale plus sentimentale par la suite, je le ferai après. Donc prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, hein. C'est pas pareil que quand je vous ai en consultation téléphonique et que c'est directement vos énergies, ou quand vous me commandez une vidéo et que voilà, c'est vos énergies à vous. Donc on va regarder, je vous remercie pour les abonnements, il y a une petite cloche et en fait il faut l'actionner et il y a une encoche comme un V et il y a marqué toutes, vous cliquez sur toutes et comme ça vous allez recevoir les notifications quand je poste une ou des vidéos. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, j'adore, il y en a certains de vous mettez des petits cœurs. Une vie familiale heureuse, ou vous, hein, si vous êtes seul, et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, vont être comblés. On a le 10 de coupe, des relations dignes de confiance aussi, hein, d'accord. Donc voilà, vous êtes accompagné. Et ici, on vous parle. Alors, pour certains de vous, vos relations atteignent un nouveau stade, soit positif, soit négatif, ça peut être l'un comme l'autre, hein, d'accord. Fiez-vous à votre intuition, justement, que ce soit positif ou négatif, prenez soin d'autrui et de vous-même, hein. Bon, là, on a une petite semaine, voilà, donc, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour la plupart des gens. Après, au niveau des hôpitaux, bah, ils s'arrangent, il y a une organisation, hein. Alors, on va regarder tout de suite ce que j'ai pour vous. Ça va me parler de quoi? De fêter quelque chose, d'être dans le bonheur, hein. On avait déjà le 10 de coupe. Ouais, bah, il y a une victoire. Peut-être au niveau de la justice, ici, c'est possible. Et que bah, vous êtes tellement content, contente, que vous allez donner très vite quelque chose. Alors, par exemple, si au niveau de la justice, on va fêter quelque chose, il y a une victoire. On tranche, on fait un choix, le bon choix ici, hein, d'accord? Vous allez être victorieux, victorieuse. Si c'est pas maintenant, c'est prochainement. Ça peut dépasser, là c'est du 6 au 12, mais ça peut dépasser le 12, hein, on est d'accord. Est-ce que si c'est la justice et que, par exemple, vous recevez une somme d'argent, hein, d'accord, on peut très bien donner vite à nos proches, donc on vous demande aussi de penser à vous ici. Donc, de penser à vous. Si c'est pas ça, on peut faire la rencontre d'une nouvelle personne. De communiquer, de beaucoup communiquer. Vous allez beaucoup dans la communication, les vierges, hein, d'accord. Et voilà, on vous dit, il va falloir penser à vous, vous donner beaucoup de votre temps, de l'argent par rapport aux vôtres, ceux qui vous entourent. Pardon, alors nul regret, hein, bien entendu. Pardon. Mais ça va toujours dans un sens, hein, donc rééquilibrage absolument. Et ça sort souvent chez mes vierges parce que vous avez un gros cœur et donc en fait vous êtes riche dans le don, dans la générosité, hein, d'accord. Mais il va falloir quand même se penser à vous. Hein. Pour d'autres ici, il est possible que justement, je vais sortir une carte ici. C'est ça, le cavalier de ce cavalier d'épée, il est motivé, l'agnac, il est heureux, il est content, mais il s'emballe trop vite, vous voyez, il donne trop vite en fait, hein, d'accord. Pour d'autres, vous allez être très 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 emballé par quelqu'un ou quelque chose, une situation, hein, d'accord. Il y a des choses qui s'accélèrent aussi, hein. Bon, ici au niveau des couples, par contre, rien ne va plus. Il y a des mots pas sympas, il y a des disputes, hein, ici, on essaye de tenir bon, de tenir le coup. Pour d'autres, mes célibataires, vous essayez de tenir bon, de tenir le coup,
peut-être au niveau de votre solitude, votre célibat, et d'autres peut-être par rapport à, par exemple, un ex ou une ex, hein, d'accord, de pas craquer, hein, on se dit, c'est possible. On parle de rupture ici et on parle de faire table rase, de démarrer sa vie ailleurs ou avec une nouvelle personne, je vous l'avais dit tout à l'heure. On parle peut-être au niveau du travail, on est fatigué et que là, justement, c'est possible que certains de vous, on parle de documents officiels, de contrats de travail, de mariage, félicitations. Et vous vous débloquez hein, ici. Hein. Vous vous débloquez, il y a des situations qui vont se débloquer. Vraiment, vraiment. Il était temps. Et vous êtes... ici, vous avez une période de chance et vous êtes en fait... c'est votre bonne étoile. Et vous êtes guidé, mes amis. Guidé. Faites attention au diable parce que tout n'est pas à prendre. Faites attention au choix, hein, d'accord. Et puis on a ce diable, vous voyez bien, là il tend une bourse de dollars, d'argent, hein, et là une glace à la jeune fille pour les attirer, hein, d'accord. Donc faites attention aux gens toxiques, malhonnêtes. Là il y a quelqu'un aussi qui se débloque, qui voit la vérité enfin. Par rapport à un ex ou une personne, d'accord, dans le relationnel. Vous voyez, vous êtes tranquille, vous réfléchissez et là, tout s'éclaire. Et vous voyez tout ce qu'on vous a fait en fin de compte. Hein. Ouais, il y en a... écoutez, vous allez attirer à vous, vous réfléchissez bien. Vous allez attirer à vous et on a la roue de fortune. Hein. C'est pas rien. Il se passe quelque chose, mes vierges, parce que l'avant-dernier tirage était très bon. On a une victoire, mais ici, on a la grande victoire. On a la roue de fortune, la roue sacrée de la vie qui va tourner en votre faveur. Il y a un changement qui s'amorce. Il y a un virage ici. Il y a une transformation. Elle est où? Elle est ici. Il y a la transformation. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a du changement. Ça bouge dans votre vie. Et vous allez le fêter d'ailleurs. Ici aussi, elle le fête. Hein. On a le monde, on a la réalisation, on a la plénitude, on est vraiment épanoui ici, que vous soyez un homme ou une femme, on a la légèreté, on s'en va, alors certains en vacances, d'autres vous changez de lieu de travail, lieu de vie, ou alors vous rencontrez une nouvelle personne, d'autres c'est une rentrée d'argent, hein, n'oubliez pas, c'est beau, ah ouais, mais certains... on parle de déplacement, on parle de voyage, on parle de déménagement, on parle de changement, vraiment de changement, hein, d'accord. Vous allez faire un choix majeur pour votre vie, hein, d'accord. Il va être très important, ce choix, il est là. Le choix du cœur, choisissez le choix du cœur. Il n'y a plus assez de lumière, on s'en va vers la lumière, on a besoin de lumière. On s'est assez battu comme ça, défendu, et on va vers cette opportunité, d'accord. Mais c'est magnifique, j'adore, on va vers ce 9 de coupe qui est comblé, qui est dans la satisfaction, hein, d'accord. Et c'est la zen attitude. J'adore votre tirage. Et moi, je suis vierge, donc ça me concerne. Allez, on va regarder un petit peu les couples, qu'est-ce qui se passe printemps-été. Printemps-été, les couples. Il peut y avoir différents cas de figure, vous prenez le cas de figure qui vous correspond, hein, d'accord. Printemps-été, peut-être vous rencontrez quelqu'un, ça peut être une tierce personne, ou vous êtes déjà, hein, vous vous êtes rencontrés, vous êtes un couple fort, et vous êtes, en tout cas, il y en a un des deux qui se dit que vous êtes des flammes jumelles, ou voire les deux, hein. Rien ne va plus, mince alors, c'est ça, il y en a un des deux, printemps-été, rien ne va plus. Peut-être, alors, c'est pas de la faute du printemps et de l'été, c'est peut-être les beaux jours, la personne, elle change, elle commence à avoir envie de changer, de sortir, mais pas avec vous, d'aller avec ses potes, de rencontrer de nouvelles personnes et tout ça, rien ne va plus. Alors, d'un côté, on a une personne, soit vous, soit votre autre, qui se dit, mais c'est ma flamme jumelle, c'est karmique, c'est mon âme sœur et tout ça. Et pourtant, il y a des problèmes dans le couple, rien ne va plus là.
ici, on frise. Ici, c'est vraiment la rupture. Hein. Le saut. Il va falloir faire un saut d'obstacle ici. Hein. Ou alors, il y en a un des deux qui fait le saut d'obstacle. Hein. Réussir. Oh là, il y a la tierce personne. Hein. Écoutez, écoutez, c'est comme ça. Hein. Je peux pas vous dire autre chose que ce qui sort. Hein. C'est ça les cartes. Hein. Ouais. Et il y en a un des deux qui va faire l'autruche, qui va cacher les choses, qui va plus dialoguer. C'est secret tout ça, hein, d'accord. On dit oui et on se dit que là, on est tombé sur une flamme jumelle, une tierce personne qui pourrait être notre flamme jumelle. Et on laisse une personne derrière dans les problèmes. Rien ne va plus par rapport à cette tierce personne. On peut parler de, justement, pour d'autres, on se dit oui. Contraint de travail, peut-être on sera un peu timide ici, honte, mais c'est plutôt la timidité. De faire une demande, peut-être. Hein. Ou alors, donc, mariage, fiançailles, ça peut être... vivre ensemble, acheter un bien immobilier ensemble, ça dépend de votre situation, ici, oui. Et pour d'autres, en fait, on peut parler de divorce, parce qu'il y a une tierce personne, vous avez un rival, il y a les masques. Il y a les masques. Il y a les masques. La stabilité touchée par rapport, bon, certains, la magie noire dans le couple. D'autres, c'est le mauvais œil. D'autres, c'est la jalousie, la rivalité, la méchanceté. Ouais. Il y a rencontre coquine, dispute, secret. Ah, rien ne va plus. Bon, j'ai quand même un couple là, ici. Un des deux se dit, c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle. L'autre en profite à l'extérieur. Il y a tromperie ici, hein, d'accord? Il y a tromperie. Et c'est possible que on a rencontré une tierce personne où on est revenu avec une ex ou quelqu'un qu'on connaît. Hein, ça, c'est possible qu'on connaît pas. Et que cette personne, elle obtient les choses par la magie noire. Ça, c'est possible, hein. Il y a la dispute et il y a les secrets. Donc, on se dispute, on est en désaccord, mais on ne dit pas, on ne dit pas cette sexualité coquine avec une tierce partenaire. On garde ça secret, pas de dialogue. On fait l'autruche, hein, d'accord. Il y en a un des deux qui part, il y a le divorce. Il y a le déménagement aussi, un des deux. En vérité, c'est un cadeau, hein, c'est un mal pour un bien. Toucher, couler. Il y a un travail à faire sur soi-même par rapport à cette rupture. Ensuite, on reprend du poil de la bête et vous allez rencontrer une personne. Donc, la personne qui sera laissée pour compte, qui sera trompée plus tard, quand vous irez mieux... vous allez rencontrer une nouvelle personne ici. Ce sera un duo de choc. Hein. Et oui, là, pour l'instant, vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Mais il y a un problème ici, puisque l'autre est persuadé que la tierce personne est son âme sœur. Bon, on parle de mariage hein, ici, hein, et de réussite, de bonheur. Il hein. Y a eu des obstacles, hein, d'accord, mais pas de soucis. On a la réussite. Après, les obstacles, vous savez... Alors, ça peut être aussi que pour l'un... Alors, ça peut être par rapport à l'argent, pour le mariage, pour les fiançailles, par exemple. Ou le saut d'obstacle, c'est d'obtenir un prêt pour acheter un bien immobilier puisqu'on l'avait, par exemple. Ou de se mettre ensemble et qu'il y a un coût, vous voyez. Donc, et on va le sauter, ce saut. Et pour d'autres, peut-être bah, le saut, faire le saut, justement... par rapport au mariage et tout ça. Pour d'autres, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une générale, il y a différents cas de figure. Et là, ici, moi, j'ai quelqu'un, on parle de divorce, de rupture, que c'est la fin. Rien ne va plus qu'on vous dit.
On parle de masques, de tromperies, d'adultères, de rencontres. En tout cas, il y a une tierce personne. Mais les tierces personnes, des fois, ça peut être une nouvelle personne ou une personne qu'on connaît ou qu'on vient de connaître, ou alors une personne qu'on va rencontrer, ça peut être ça. Ou alors une ex, hein, on n'y pense pas parfois. Hein. Alors, ça dépend. Alors, mes célibataires, pour d'autres, on se dit oui, hein, c'est magnifique et félicitations. Hein. Et peut-être que certains, vous allez même acheter ensemble. Hein. Ou alors vivre en location ensemble. Hein. Ou alors un bébé. On se dit oui pour le bébé. Ou alors oui, je suis enceinte, vous voyez, on annonce. C'est possible. Alors, mes vierges. Alors, on vous dit d'oublier cette personne, un ex ou une ex, qui voudra se réconcilier, à moins que ce soit vous qui voulez vous réconcilier, mais que vous êtes comme ces chaussures, dans un piteux état. Vraiment, on a été négligé par un ex ou une ex qui vous a mis au placard, hein, d'accord? Donc quand même, elles ont servi, hein, elles n'ont pas toujours été comme ça. Donc il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, mais qui pourrait revenir, ou c'est vous qui souhaitez revenir. Pour d'autres, non, c'est terminé. Vous voyez la réalité des choses, vous vous dites, mais attends, je vais mieux, je ne veux plus être dans cet état, négligé, oublié, et que la personne, elle fasse ce qu'elle veut de moi, qu'elle m'utilise, voilà. Qu'on utilise, qu'on habille ses chaussures quand on veut, et que quand on veut plus, on les met dans un coin et on fait aucun effort. Et là, en fait, on est plus puissant, plus puissante, et on veut pas justement de cette réconciliation. Hein. Donc, voilà, parce qu'il y a cette puissance, hein, il y a cette force qui vous revient, on se libère, on casse les chaînes, on se libère de ce boulet. Hein. C'était un boulet, hein, vous l'avez traîné, hein, ce boulet. Mais cette personne, elle vous a créé du tort. Elle vous a rendu triste, hein, cette personne. Elle vous a fait du mal. Votre chance, elle est ailleurs, mes amis, hein, d'accord? Votre chance, elle est ailleurs. Ah oh, ouais, l'œuf qui éclore, il y a de la nouveauté, hein, d'accord? Il y a de la nouveauté. Mes célibataires, il y a de la nouveauté. Hein. Regardez, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et moi, je pense que vous allez dire non. Non, je reviens pas avec toi. Tu as mis trop de temps. Ça a assez duré comme ça. Donc, non, je ne reviens pas avec toi. Donc, en fait, d'autres, vous êtes célibataire. Vous allez réfléchir par rapport à cette nouvelle personne. Mais vous allez comprendre que cette nouvelle personne, vous allez discuter avec... que ça peut être une chance, une opportunité à saisir justement. Parce qu'après, bah, vous savez, si ce petit trèfle blanc, c'est le seul, hein, l'unique, c'est cette opportunité, cette nouvelle personne. Si on le ramasse, si quelqu'un d'autre le ramasse, bah, il n'y est plus. Il y en aura d'autres, hein, mais il n'y est plus. Mais moi, pour moi, il y a quelqu'un, vous vous lancez ici parce que vous sortez complètement, mais complètement d'une illusion, d'accord, par rapport à un ex ou une ex. Et là, il y a la rencontre et il y a l'équilibre, hein, qui revient et c'est équitable. Il y a un grand respect ici, hein, d'accord. Et donc, ici, on se lance et puis on a la vie en rose, hein, pour bientôt pour certains de vous, hein. D'accord? Ouais, non, mais en plus, cette personne, un ex ou une ex, s'est amusée à vous manipuler, à vous illusionner, mais à vous trahir aussi derrière votre dos. Hein, d'accord? Cette personne, elle se regarde qu'elle-même, elle est là par intérêt. Et donc, elle a toujours eu cette façon de vous attirer. Que vous soyez attiré, hein, d'accord, mais cette personne, elle était là que par intérêt. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un de pervers ici, une ou un pervers narcissique qui vous a fait du mal, qui vous a broyé le cœur. Et c'est peut-être récent ou pas, mais en tout cas, ça vous a bien pris la tête, hein, ici.
Mais vous êtes, c'est magnifique parce que vous êtes, il y a un regain de vitalité. Il y a la nouveauté ici, hein, mais on l'a ici, une nouvelle rencontre. La terre, elle est craquelée, usée, fatiguée comme les chaussures, hein, c'est ce qu'on avait. Mais c'est pas grave, il y a une rose qui pousse. Vous avez le soleil ici aussi, il y a un éclaircissement, bonheur, joie. Et vous avez la rencontre d'une nouvelle personne. Et du coup, en fait, mentalement, le mental reprend. Même vous, regardez, vous allez être dans vous offrir des bijoux. Ah oui, ben, vous savez que je fais moins 25% jusqu'à demain, le 6. Profitez-en au niveau des bijoux ou une nouvelle coupe. Ou alors, mais en tout cas, il y a regain de vitalité. Hein, on pense à soi hein, ici hein, et c'est très bien. Ouais, parce qu'il y a concrétisation et il y a un cheminement qui a été fait. Donc, on parle de guérison. Il ne reste plus que une pièce pour que le cœur soit reconstitué, qu'il soit entier. Donc, voilà. Donc, là, c'est magnifique. Hein. Mais en tout cas, vous sortez d'une illusion. Et là, vous avez tout compris par rapport à un ex ou une ex. Hein. Donc, voilà. Et pour d'autres, bah, c'est à vous de voir si vous voulez, parce que c'est votre choix à vous, bien entendu. Hein. Parfois, ça peut être vous qui voulez vous remettre avec cette personne, malgré que cette personne, elle vous a fait mal, qu'elle vous a manipulé. Après, ça peut être vous aussi, hein. Soit vous, soit en face de vous. C'est à vous de vous placer, s'il vous plaît. Mais on sort d'une grande illusion, là, pour certains, pour beaucoup, hein. Et vous allez vers le bonheur. Hein. Bon, bah écoutez, c'est très beau tout ça, c'est très bien. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance avec moi, téléphonique, ou alors vous pouvez commander une vidéo et je vous l'envoie, vous réglez la vidéo, vous faites le choix puisqu'il y a un domaine de domaine et tout ça. Vous faites le choix de la formule. Je fais le marc de café aussi, je l'ai rajouté. C'est bien parce que pour certains de vous, vous me l'aviez demandé, certains vous avez commencé à le prendre, donc à prendre cette formule. Et sinon, en fait, il y a le soin ancestral aussi qui aide beaucoup. J'ai des retours très très bons là. Il y a des personnes où ça s'est débloqué au niveau du professionnel, alors que c'était bloqué 2 ans. Il y a d'autres personnes où l'enfant était harcelé, donc là c'est bon. Il y a tellement de choses, c'est bon parce que en fait, si vous voulez, l'enfant va être accepté dans une école et ça a été très difficile. Donc, mais ça s'est débloqué, donc ça ne le devrait pas, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, ça ne devrait pas être difficile justement, mais là, ça s'est débloqué et il y a plein d'autres choses. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt mes vierges. Portez-vous bien, gros bisous. Je vous envoie plein de force et de belles vibrations. Gros bisous d'amour.